Le patrimoine culturel égyptien a une nouvelle fois subi les conséquences de l'instabilité politique dans le pays. Le musée de Malawi a été pillé par des vandales qui ont profité du manque de sécurité actuelle pour s'emparer de trésors recherchés aussi bien par les voleurs que les citoyens lambda, comme l'explique cet archéologue. De nombreux Égyptiens vont jusqu'à creuser sous leurs maisons ou sur des sites archéologiques pour retrouver des objets antiques, dit-elle. C'est une situation hors de contrôle. La plupart des objets de ce musée de Haute-Égypte ont été volés, détruits ou incendiés. Un pillage qui rappelle celui du musée du Caire en 2011, lors de la première révolution égyptienne. Il nous manque environ 500 objets. C'est 10 fois plus que les pertes que nous avions enregistrées au Caire. Bijoux, poteries ou sculptures datant pour certaines de plus de 3000 ans ont été emportés par les pillards. L'une des statues volées était une représentation de la fille du pharaon Akhenaton.